Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un bookshelf tour. C'est une vidéo qui m'était demandée à la suite de tellement de hauls, de tellement de book hauls, de tellement d'unboxing, de tellement de vidéos de manière générale. Et c'est pas le genre de vidéo que je pense à faire parce que je suis pas une très grande fan des bookshelf tours. J'ai beaucoup de mal à me concentrer en fait quand je vois un petit fond sonore avec des livres ici et là. J'ai décidé de le découper en deux parties. La première partie sera vraiment, je vous montre les bouquins de manière générale et ensuite je vais m'attarder un peu plus sur des titres. Je ne l'ai pas fait pour les versions graphiques parce que j'ai une palle immense de manga à lire. Sans compter les quelques graphiques que je me garde toujours de côté parce que je déteste être en rade de graphiques. Et en plus c'est des graphiques que je pense vraiment adorer. Donc voilà, mais j'ai pas voulu faire un close-up dessus parce que encore une fois j'aurais renommé les mêmes. Heartstopper, j'aurais parlé de Bloom, j'aurais parlé de Trait pour Trait, de Akiko Higashimura, j'aurais parlé de Like a Little Star, j'aurais parlé un petit peu de Blue Flag, j'aurais parlé de tous ces livres dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo qui date... il y a peut-être un an maintenant, non, un peu moins, je sais plus. Bref, c'est quand j'avais reçu ma dernière Billy Aki plutôt. Et voilà, j'avais fait un petit update de mes graphiques. Là je vous ai montré les 2-3 nouveaux, les 2-3 séries que j'ai pu commencer. Mais je suis pas trop rentrée dans le détail, surtout que j'aimerais faire quelque chose vraiment de ciblé sur mes graphiques. Et ça va venir au cours des semaines et des mois à venir. Je vais me refaire une grosse session readathon de graphiques. J'ai envie de bouffer des mangas, j'ai envie de bouffer des romans graphiques qui traînent depuis beaucoup trop longtemps dans ma palle. Donc voilà, ce sera l'occasion de vous en parler un petit peu plus. Là c'est vraiment... un tour général, ça n'a pas tant changé que ça, c'est juste que comme d'habitude je fais du tri très régulièrement dans mes livres, au moins 2 voire 3 fois par an, et je vire tous les bouquins qui ne m'ont pas plu, que je ne relirai pas, que je pensais relire et en fait non, que je voulais lire et puis pourquoi. Donc voilà, c'est toujours pareil, cette bibliothèque-ci représente mes livres grand format que je garde, qui n'ont pas trop changé. Derrière moi, on a à nouveau ma palle grand format qui fait toute une Lily, donc je le vis pas très très bien ça pour le coup, même si j'ai beaucoup lu dernièrement, j'ai aussi beaucoup acheté slash reçu de livres. Alors ça c'est génial, maintenant que je reçois des SP, ça fait quand même un peu moins... non pas du tout, j'achète toujours autant de livres, c'est juste que j'en ai en plus, voilà. Là nous avons mes poches en partie de la palle et ensuite des livres que j'ai lus et gardés, je crois que ça a très peu changé, il y a juste un petit peu plus de thrillers que j'ai lu dernièrement, mais voilà, là je suis dans un mood thriller. Je sais pas pourquoi, j'étais dans un mood fantasy juste avant, je sais pas pourquoi j'étais dans un mood japonais, coréen, enfin asiatique de manière générale, je ne sais pas pourquoi. Voilà, comme d'habitude, bon, bref, je vais arrêter de blablater, je vais vous montrer les bibliothèques et on se retrouvera après pour faire le petit outro.
어때 하루 중에 가장 생각나는 사람이 누구야 일을 하다가도 길을 걷다가도 이유 없이 떠올려보는 나는 많이 생각해봤는데 아무래도 벌써 빠져버렸나 봐 꿈에서까지도 원하는 걸 보면 장난 같은 건 아닌가 봐 좋아하면 원래 다 이렇다던데 너의 한마디 한순간이 소중해서 아껴주고 싶고 나만 보고 싶어 déjà dans cette première étagère, je l'aime énormément, il faut que je vous cite Ashing Falling for the Sky, il n'y a pas le tome 2 parce que je ne l'ai pas aimé, enfin c'est pas que je ne l'ai pas aimé, c'est que comparé au tome 1 je le trouve beaucoup moins exceptionnel et bref j'aime beaucoup trop ce premier tome, du coup c'est le seul que j'ai gardé dans ma bibliothèque, mais y a les deux autres livres de Nine, donc voilà je suis une grosse fan. Le secret du colibri, c'est une romance FF donc il faut le lire et c'est triste mais c'est joyeux en même temps et c'est trop bien. Oh, j'aime tellement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la maison au milieu de la mer céruléenne de Chiche Clown, que j'aime énormément aussi. Ça fait beaucoup d'énormément dans la même phrase, mais gros coup de cœur pour cet auteur, voilà. Loveless, que j'ai lu au mois de février pour sa sortie en français, je l'ai lu en e-book, gros coup de cœur, gros coup de cœur, j'ai adoré, donc voilà. Ah, ce sera moi, ça parle de K-pop, c'est hyper inclusif et j'aime beaucoup. Jamais plus, c'est le bouquin qui fait le plus parler sur BookTok, donc sur TikTok du livre. C'est It Ends With Us et c'était un super livre, mais pas aussi exceptionnel que à première vue de Colleen Hoover, qui est un young adult très particulier, incroyable, très tordu, incroyable, que personne n'aimera, mais incroyable, voilà. Je vous en parle toujours, mais que serait un bookshelf tour si je ne parlais pas de The Kiss Quotient d'Ellen Wang. Il faut le lire, meilleur romance ever, c'est tout tourné vers le plaisir féminin et c'est trop cool, voilà. Et pour fond financier, je vous avoue, j'ai un peu honte parce que j'ai toujours pas lu le tome 2 alors que je me donne trop envie. Et on va en parler un peu plus tard parce que je vais vous montrer la pilonnière de la honte. Faudrait que je fasse un jingle avec ça. Ça n'a pas trop changé à ce niveau-là, j'ai juste rajouté Homebody de Ripikor parce que meilleure poétesse moderne qui existe, voilà, c'est tout. Je sais que personne ne l'a aimé, mais Normal People de Sally Rooney, tout le monde a adoré la version anglaise et personne n'aime la trad, enfin c'est même pas la trad, c'est les Français n'aiment pas Normal People. Et non, j'ai toujours pas regardé la série parce que je sais qu'on va me poser la question, donc voilà. J'ai fait un gros tri dans mes PKJ parce que je me rends compte que j'en lis pas tant que ça. Ils publient beaucoup de fantastiques, enfin SFFF de manière générale. Les seuls que j'ai gardés c'est ma préquelle de The Mortal Instruments alors que j'avais tous les tomes de toute la saga. Mais voilà, j'ai dit au revoir à mes bébés. Mais c'est vraiment les trois que je relirais tandis que les autres j'allais jamais les relire. Donc on a fait du tri cet été, on a fait du tri. Hunger Games forcément. Nous avons un petit nouveau, c'est mon hiver cosy de Caroline Millet. Qui est une youtubeuse slash illustratrice incroyable. Je vous mettrai son compte Instagram et le lien de sa boutique, de tout ce que je peux à son effigie. C'est un bouquin qui est autopublié et il est magnifique. J'avais déjà acheté l'année dernière mon automne cosy, voilà. Et là du coup j'ai acheté mon hiver cosy et l'année prochaine il y aura mon printemps cosy et ça va être trop bien. Petit nouveau encore une fois, c'est la carte des incontournables de la littérature ado. J'ai aussi le livre dans une autre bibliothèque. Voilà, c'est un guide de la littérature ado, en quête d'un grand peut-être, c'est issu du roman incroyable Qui est tu Alaska de John Green, que j'ai en hardback. Il est ici, je l'ai dans cette version incroyable qui était une version limitée pour les 10 ans et je suis tellement fière de l'avoir gagnée.
Voilà, il est génial ce bouquin, lisez-le, c'est l'un de mes romans préférés avec l'attrape-cœur. J'ai toujours pas fait de vidéo, mes 5-10 livres préférés, mais un jour. Vraiment, je crois que je suis la seule booktubeuse qui n'a pas fait cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc j'ai la carte ici, il faudrait que je la complète, sauf que... Et en fait, il y a plein de livres, je sais que je les lirai pas, parce que je trouve pas très... Bref, on va pas rentrer dans le débat. Ma saga chouchou d'amour, encore et toujours, Les Chroniques lunaires de Marissa Mayer, que j'ai adoré. Donc voilà, gros coup de cœur pour Cress, qui est dédicacé, puisque j'avais vu l'autrice à un salon du livre il y a au moins 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Là, il n'y a pas eu de gros changement. Il va rester une petite place ici, c'est juste que je l'ai envoyé pour me faire échanger le bouquin, puisqu'il est abîmé. Mais il y aura le tome 3 du Prince Cruel. Trilogie incroyable, il faut la lire. Oh mon dieu, j'ai adoré ce premier tome. Le deuxième tome, énorme claque dans ma gueule. Là, ça n'a pas trop changé. Un petit nouveau qui est incroyable et qu'il faut lire. Nuit rouge de Magali Weiner, je pense que ça se prononce comme ça. J'adore les éditions Rouergue, surtout par leur collection Dos à dos. Donc là, c'est Dos à dos noir. Ici, on parle de culture du viol, mais c'est version roman et on est du point de vue du garçon qui serait le violeur. Donc voilà, lui, il dit que ce n'est pas un viol, elle dit que si. On va suivre tout ça. C'est trop bien. Et c'est pas, ça fait pas thriller, ça fait roman adolescent. Enfin, ça fait même pas roman adolescent. Je trouve que ça fait plutôt une quête. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est en même temps un roman sociétal et une quête et un peu tout ça, c'est incroyable. Il y a eu pas mal de changements en fait dans celle-ci. Déjà, j'ai viré tous mes musos, j'ai juste gardé celui-ci en grand format parce qu'il est dédicacé et que j'y tiens. Félix Ever After, lecture incroyable, gros coup de cœur de l'été dernier. Je crois même pas vous en avoir parlé, mais il faut le lire. Et plus ou moins dernièrement, je crois que c'était en 2021 ou début 2022, je ne sais plus, Ressac de Digli, j'ai adoré. C'est juste Digli qui part en retraite d'écriture, plus ou moins, slash spirituelle. Incroyable récit, je l'ai adoré. Et donnez votre soutien à La Ville Brûle, parce que, incroyable maison d'édition. Je passe ma vie à changer mes bibliothèques de place, enfin mes livres de place. Ils sont absolument pas rangés dans le bon ordre. J'ai dû la dernière fois, j'avais la flemme de les ranger. Genre les Joël Dicker sont séparés alors que non. Au début, nous avons ma pale, qui s'éternise jusqu'à ici, voilà. Et après, on est sur des bouquins que je garde. Voilà, j'en fais quand même pas mal. Quel livre me donne le plus envie dans ma pile à lire? Fille de la mer, il faut absolument que je lise. Je sais que certains d'entre vous me l'avaient déjà recommandé, mais je l'ai acheté l'été dernier, donc ça fait un petit moment. Non, je ne lirai pas maintenant mes romances de Noël, je m'en garde quand même quelques-unes. Par contre, il faut que je lise le Beyond the Bars de Brittany Cecheri parce que c'est un one-shot, c'est Brittany Cecheri, ça parle de musique, je suis sûre d'adorer. Quel autre livre me fait très envie? Dark Secrets, qui a été réédité chez... Je ne sais plus, Séverine en parle beaucoup mieux que moi, mais elle a dit que c'était une enquête qui faisait penser à l'esprit criminel, et donc j'ai acheté le bouquin. Je crois pas que les tomes soient tous disponibles en poche chez 10-18, mais les libraires ne les avaient pas, j'ai dû les commander à la Fnac, et en fait après c'était la fin du stock, enfin bref. Comme ça a été réédité, voilà, mais c'est... En plus ça n'a pas du tout le même nom pour la réédition, donc regardez les noms des auteurs et allez voir par vous-même. Quel autre livre me fait très envie? Alors, je suis dans un mood, mais comme tous les... J'ai des merveilleuses éditions de Twilight, voilà, sachez-le. Il y a 2 ans de ça... 2 ans, ouais. J'avais relu le tome 1 et le tome 2, et depuis je crève d'envie de lire le tome 3 et 4, sauf que je trouve ça contre-productif, donc je ne les lis pas, mais l'envie est là. Ranger des livres avec une main! Il me reste un livre de Morgane Moncombe à lire, et je le garde en fait, parce que j'ai toujours peur d'être en manque de Morgane. C'est très bizarre comme ça, mais bref, je le garde toujours de côté, on sait jamais. Ito Ogawa, il faut que je la lise, du coup j'ai 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 3 livres d'elle, je ne sais pas lequel me donne plus envie, mais ils me donnent tous envie. Et je pense que c'est celui-ci le plus connu sur Booktube, la papeterie Tsubaki, c'est de la littérature japonaise. Là, il y a des lesbiennes de... Attendez, là, il y a des lesbiennes dedans. Et là, on suit une jeune femme où ça va être question de bouffe en fait, de bouffe et d'amour. Voilà, tout ce que j'aime. Je crois que c'était Laura. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est Laura qui m'offre des livres. Donc, je sais jamais. J'ai reçu Josh et Hazel de Christina Loren, que je n'ai toujours pas lu. Alors que Christina Loren, j'avais aussi reçu Fake de Jen P. Guyen. Et je ne l'ai toujours pas lu non plus. Alors que c'est du Young Adult. C'est publié chez Hugo New Way. Et je ne l'ai pas lu. C'est... Voilà. celui-ci me donne très envie aussi. Je l'ai acheté l'été dernier. Toujours pas lu.
Nous parlerons pas du Prieuré de l'Oranger que je n'ai pas lu. Alors, avant qu'on me dise « Pauline, il y a un tome 2 !» Je sais, mais je vais déjà essayer de lire la première partie. J'ai vendu ma version hardback du Prieuré de l'Oranger, vous le verrez après. J'ai fait un gros tri niveau hardback et j'ai décidé d'arrêter d'acheter des livres juste parce qu'il y a des hardbacks. Et c'était une grosse révolution dans ma vie de lectrice, donc voilà. J'allais rater celui-ci. Conversation entre amis de Sally Rooney, encore une fois un cadeau d'une abonnée, je suis désolée, je sais qu'il y a des petits mots dedans mais j'ai la flemme de sortir complètement les livres parce que je galère tellement à les ranger après que voilà, il faut que je le lise parce que Sally Rooney et j'ai très envie de lire son dernier sorti en anglais, je sais plus le titre mais voilà. Celui-ci j'ai entendu que du bien donc hâte de le lire et voilà, après tous me font globalement envie, c'est juste que il y a des livres, je me dis c'est honteux Pauline que tu ne les aies pas encore lus, donc voilà. Alors j'ai vraiment une grosse période numérique, là je suis revenue au papier, ce qui explique des craquages assez récents. J'ai revu ma palle, voilà, sauf que du coup ça me fait toute une étagère, ce qui n'était plus le cas, et ce qui est à nouveau le cas, donc voilà. Un livre que je veux absolument lire, La guerre du pavot, c'était The Poppy Wars. The Poppy's War? The Poppy's War. Voilà. Sauf que cette couverture est absolument dégueulasse, chez Actes Sud. Je sais pas s'ils l'ont pas édité en poche, maintenant il faudrait que je me renseigne. Je ne parlerai pas des livres que j'ai toujours pas lus et c'est honteux. Genre celui-ci, j'arrive même pas à le sortir tellement ils sont coincés mes livres. Nous les filles de nulle part, c'est Nadège qui l'a conseillé un million de fois et que je n'ai toujours pas lu. Après ça a pas trop changé, voilà. Si on retrouve un peu de Gallimard Jeunesse, ce qui n'était plus le cas depuis très longtemps. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi il y a un livre en plein milieu. Ah si, parce que c'est Gallimard NRF. Bref, voilà. Je n'ai plus que ça de chez de Saxus. Les trois me donnent très envie. Celui-ci notamment parce que Solène l'avait adoré et qu'elle l'a très bien vendu. Le sang et la cendre. Sauf que c'est un beau bébé et que j'avais peur des gros bébés. Et maintenant ça me fait plus peur, mais celui-ci me donne pas envie. Donc voilà. Et par contre, celui-ci, je suis dégoûtée de ne pas l'avoir reçu en hardback. Je l'ai acheté en paperback parce qu'il n'était plus disponible ailleurs. Lui aussi, il faut que je le lise parce que livre incroyable. Voilà, j'adore les romans... Enfin, les romans, c'est pas des romans, des livres féministes. Je sais pas si c'est vraiment un essai, celui-ci, mais voilà. On va passer par la suite. Alors vous verrez que j'ai acheté quelques livres en numérique pour me forcer à les lire parce que pendant un temps je lisais plus en numérique qu'en papier et là le papier est revenu dans ma vie mais je l'avais pris en numérique, tout ce que dit Manon est vrai, faudrait que je le lise et lui je me tâte à le prendre en numérique mais je sais que je pourrais le lire en papier, c'est juste que je ne l'ai pas encore tenté, c'est K-pop Revolution, c'est la suite de K-pop Confidentiel du coup et j'ai trop hâte parce que c'était, enfin c'est une fin de saga, c'est en deux tomes, ça parle de K-pop et c'est trop bien fait donc j'aime énormément. Là nous avons tous mes livres un peu alors là nous avons de la poésie, là nous avons un essai féministe, là c'est une sorte de récit de vie, développement personnel, un peu tout combiné mais je l'ai beaucoup vu passer en anglais, je ne savais pas qu'il avait été traduit donc je suis très contente. Brandon Sanderson je n'ai toujours pas tenté alors qu'on m'a dit que Skyward c'était du young adult et que ça pourrait me plaire mais j'ai peur de la SF donc voilà. Celui-ci, il a été conseillé par une libraire à Paris, quand j'y avais été au mois de décembre, novembre, je sais plus. C'est un vieux livre, mais il me fait peur parce que ça a l'air vraiment très intriguant et elle l'avait trop bien vendu. Donc je sais pas, j'ai peur de le sortir, c'est ridicule. J'ai gardé Les Sorcières de Pendle alors qu'il est sorti en poche et que je ne l'ai toujours pas lu, yay! Là, on va passer à quelques nouveautés que vous avez déjà vues dans mes hauls, donc... pas trop de changements. J'ai pas continué Gallant parce que du coup j'ai été prise par le tome 3 du Prince Cruel d'Holly Black, mais il va être lu plus ou moins prochainement celui-ci. Je le trouve trop beau. On parle de racisme dedans. Angie Thomas que je n'ai pas terminé, j'en suis à la moitié à peu près. Je ne sais pas ce que j'attends pour le reprendre. Voilà, je ne sais pas. Il y a le tome 2 qui sort bientôt et je me suis encore arrêtée à 130 pages et je l'ai en numérique. C'est vraiment honteux tout ça, donc voilà. Et celui-ci me fait très envie, mais je sais plus du tout de quoi il parle. Et c'était aussi un cadeau d'une abonnée, donc merci à toi. Et regardez, regardez, regardez. C'est aussi un cadeau d'abonné. C'est... En fait, ça va conclure la saga du Prince Cruel, sauf que j'ai pas envie que ça se termine, donc je ne le lis pas encore. Voilà, c'est mon petit plaisir coupable que je me ferai un soir quand je serai déprimée. En bas, pas trop de changements. La seule nouveauté, c'est le dernier Joël Dicker que j'aime d'amour. Donc voilà. Un peu de tout, comme d'habitude. Et un tout petit peu d'anglais. J'ai vraiment gardé juste des bouquins que je trouve pas, qui sont pas trouvables en français. Et que j'ai très envie de lire parce que ici, on va être sur la non-binarité.
des lesbiennes, de la romantisme et de la sexualité, je crois, et ici les questions de suicide. Ouais, c'est très, très joyeux, mais ça me donnait très envie, donc voilà. Les bouquins que j'ai gardés, il n'y a pas eu un gros changement. Alors si, j'ai ma révélation pour Ji Hong-gong, qui est une autrice incroyable. Vous n'avez pas vu l'un de ses livres en grand format, parce que je l'ai prêté à ma maman. C'est Les Enfants du Silence, qui est waouh, il faut commencer par lui, parce que vraiment, il est incroyable. Et du coup, gros coup de cœur pour l'autrice. Donc, vous avez pu voir dans ma pile qu'il y en avait certains, dans ma pile papier, dans ma pile format poche. Gros coup de cœur pour Louise May. Voilà, j'ai lu Les Ravagés, par la suite j'ai lu Les Ordres Invisibles, genre presque enchaîné les livres. Falling Again, livre incroyable que j'ai dédicacé, je suis heureuse comme jamais. Et ensuite il n'y a pas eu de trop gros changements à ce niveau-là. Et mon petit coin Burton est resté le même, juste j'ai ajouté les petits masques que je m'étais acheté à Marseille. Donc voilà. Vous voyez là, c'est des livres que je veux vendre, dont je veux me débarrasser, que j'ai lu mais que je ne garderai pas. Et voilà, ça reste là en attendant parce que... je ne sais pas. Et voilà, c'en est tout de mon bookshelf tour. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a donné envie de lire un petit peu de littérature asiatique, parce que c'est vraiment ma grosse révélation de l'année. L'année dernière et l'année d'avant, c'était vraiment les mangas. J'avais l'impression d'avoir ouvert une porte sur un monde magique. Là, cette année, c'est vraiment la littérature asiatique. Vraiment la littérature coréenne, gros coup de cœur. Depuis que j'ai lu Kim Ji-young, né en 1982, gros coup de cœur pour la littérature coréenne, surtout que je la veux très féministe et très inclusive, donc voilà. Le japonais, je commence à vraiment bien aimer certains titres, donc c'est cool. Et voilà, c'est mes bébés en fait. Maintenant c'est ma nouvelle lubie du moment. Je suis dans un mood thriller, mais j'ai toujours lu de tout et c'est quelque chose qu'on me dit souvent, qu'on apprécie chez moi, que je ne me cantonne pas qu'à un genre littéraire. J'adore la romance, j'adore ça. J'adore la romance chez Hugo Roman. C'est très spécifique. J'adore la romance de Hugo Roman parce que ça correspond à ce que j'aime, surtout qu'ils ont vraiment évolué, leur ligne éditoriale est trop bien maintenant. Vraiment, j'adore lire leur romance. Voilà, je ne vais pas parler encore une fois de Hugo New Way, mais leur collection Young Adult est incroyable. Cette année, même depuis l'année dernière, Lumen, alors déjà que Lumen de base c'est très bien, mais alors là j'ai l'impression qu'ils ont encore plus glow up. Je suis... voilà, et je suis trop contente de recevoir les livres de chez eux parce que je suis tellement honorée en fait. Je suis moi, la petite personne qui arrive à avoir des SP de Lumen. Voilà, je m'en remets pas, je sais que ça peut paraître ridicule et qu'il y a des gens qui sont payés pour des chroniques et que moi je suis en mode fangirl quand je reçois deux bouquins dans le mois. Mais bah voilà, faut aussi être reconnaissant de ce qu'on a et bah du coup je peux m'acheter d'autres livres à la place de ceux qu'on m'offre, donc enfin qu'on m'offre. Tout est relatif, mais voilà. J'aurai toujours le Young Adult à jamais dans mon cœur. C'était pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. J'aurai toujours à cœur le Young Adult, c'est vraiment mon genre littéraire préféré. Mais maintenant, je sais pas, je retrouve pas forcément mon compte. En fait, j'ai besoin de diversifier mes lectures. Et c'est là où je me sens le mieux, donc j'aime bien balayer un petit peu tous les genres, un petit peu tous les styles. Et voilà, vous avez pu le voir dans mes bibliothèques. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!